Salut tout le monde, bienvenue à Poudlard. Souvenez-vous, il y a une dizaine de jours, j'ai participé au concours Partage ta magie pour la sortie des secrets de Dumbledore, le troisième volet des Animaux Fantastiques. J'ai eu la chance de gagner ce concours et cette soirée incroyable que je vais donc maintenant vous partager. Enfin, quelques coulisses qui seront complètement décousues, je vais le répéter toute la soirée. Mais on a tellement vécu une soirée incroyable que voilà, j'ai filmé ce que je pouvais, j'ai profité de folie avec Stéphanie, avec Lucas. Voilà quelques petits moments de cette soirée. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à très bientôt. Hello, hello. We have been told that you have some extraordinary skills for a muggle. Huge congratulations on that. You are the most magical muggle in France. You are therefore invited to spend an incredible night at Hogwarts. But that's not all. You will also receive your very own unique wand. Use it wisely. And do not miss Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore in cinemas on April the 13th. Attention! On y est! From the Philosopher's Stone to the Deathly Hallows, there's a talented family of ours. Books, papers, potions. Dans le grand hall. Tout à fait. Regardez ma copine Dolores Ombrage qui est venue m'accueillir pour cette grande soirée, n'est-ce pas ? Dumbledore. Tout le monde est présent. Regarde, qui c'est qui gagne la course? C'est toi? Un train! Un cadeau! Wow, t'es content? Tu dis merci Angélique? Tu fais un check Angélique? C'est un check. Ça c'est. Qui a le droit de venir s'asseoir par ici? Franchement. La maison Serre d'Aigle, rien que pour vous ce soir. Serpentard. Maison Gryffondor, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Et Poufsouffle! Allez, on continue la visite. Je suis choqué. Je suis très très choqué. Viens voir! Tu es content? Je crois qu'il est content, ouais. L'architecte de Poudlard. Et ça, c'est un petit aperçu de ce qu'on va faire chez nous. Tu lui dis bonjour, tu lui fais un petit bisou. Le micro, ça fait la mal. Il est où? Je ne sais pas. Oh la boulette, si jolie. Ah, c'est ça. Oui, regarde. Tu veux qu'elle dise oui ou non? Oui. C'est non. Et non. Oui, tu peux le faire, vas-y, tu mets ta main dedans. Et tu verras, il y a une poignée. Tu peux la sentir? Ah oui, oui, tout à fait, que nous avons dîné dans le bureau de Dumbledore. Au moins, on peut tourner la tête et elle peut parler. Tu as vu? On a le droit d'ouvrir. Non, oui. Regarde, Lucas. Il y a une petite baguette. Tu as vu? Tu fais doucement. Ah, tu as eu ta baguette. Allô, Maura.
et ta baguette de serpentard. Oh. Eh ben dis donc. Il se passe énormément de choses et c'est très compliqué pour moi de suivre la cadence, mais j'étais un petit peu obligé quand même de vous montrer ce qui se passe. On dîne donc dans le bureau de Dumbledore et c'est juste incroyable. Lucas, qu'est-ce qu'on dit ? Bon appétit ! Bon appétit. Bon appétit. Ça, c'est chouette. Hein. Et dis donc, tu manges dans le bureau de qui, toi? C'est bon? C'est le Choix-Pou. Tu as vu le Choix-Pou? Gryffindor. Et toi, tu es de quelle maison, alors? Serpentard. Ah bon? Moi, je suis un... Je suis un serpent. Tu es un serpent, toi? Ah bon? Je vous fais une petite balade rapidement dans la salle commune de Serpentard, puis dans la salle commune de Gryffondor. C'est juste incroyable, il n'y a personne. Les studios sont que pour nous, j'ai encore du mal à y croire. Est-ce que vous pensez que ça passe dans ma valise pour le retour? Non. Est-ce que si je demande si on peut passer la nuit ici, on va me dire oui? Je pense pas. Je pense pas que j'aurai une autre opportunité de pouvoir faire les studios dans cette configuration-là. Donc vraiment, j'en profite et je vous emmène avec moi. Et partout où on va, ma copine Dolores est toujours dans les parages. C'est vraiment incroyable. Je sais pas encore si on va pouvoir passer par la boutique, mais je sais que chérie, elle bave devant la robe d'Hermione depuis un petit moment. Ce sera peut-être la petite surprise de la fin de cette belle visite. Et je fais juste un petit coucou et un grand merci à Angélique qui fait sa timide un petit peu, mais qui depuis qu'on est arrivé a été adorable. On a la chance d'avoir une team du coup qui parle en français ici. Donc merci, 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 merci. Et on va répéter merci toute la soirée, mais franchement c'est incroyable. Merci beaucoup. Regardez, ça aussi j'aimerais bien mettre ça dans la maison. Est-ce que ça passe dans la tour? Je retourne avec mes invités qui sont à table. Merci, monsieur. Bon appétit. Bon appétit. Dans le bureau de Dumbledore. Allez, venez, on est entre nous, je vous montre. Est-ce que vous voulez voir ce qui se passe par ici? Waouh. Le petit dessert vient d'arriver. Et il y a un petit cadeau pour Lucas. Qu'est-ce que tu dis? Oh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, mon chéri? C'est la voiture. C'est la petite voiture? C'est la Ford Anglia? Lucas, il a eu la petite Ford Anglia qu'on aura peut-être chez nous en grandeur nature. Et le Magicobus. Bon appétit. T'as de la chance, hein. Regarde, il est un énorme. Ah ouais, il est beau. Il est beau le gâteau. Il est beau le gâteau. Dis donc. Hey, regarde, vas-y. Eh ben dis donc. Tu as un petit sourire? Oh, que boy. Qui est-ce qui a eu son beau gâteau d'anniversaire dans le bureau de Dumbledore?
C'est le petit Lucas. T'en as de la chance. T'en as de la chance, oui. Allez. Faut pas qu'il se tape. Bon, on voulait pas de gâchis, alors on a proposé une petite part de gâteau à notre équipe de choc qui nous a suivis ce soir. Donc, vous avez vu Angélique tout à l'heure. Que je dise pas de bêtises, on vérifie les name tags. Morgane et Juliette. Oui. Yes. Merci beaucoup. C'était génialissime. On n'a pas encore fini la visite. Avec plaisir. On a hâte. Une soirée super magique. Il était bon gâteau ? Super bon. Très bon gâteau. Super. Allez, à tout à l'heure. Qui fait oui, que ça prend vraiment vie sur 10 ans. C'est ça. Qu'est-ce que tu manges, ça prend vraiment vie en fait. C'est vraiment. Un gâteau. Enfin, ça peut c'est quoi comme gâteau ça, mais pour moi, c'est quelque chose. C'est beaucoup plus que ça. Je pense qu'on nous attend pour de nouvelles surprises. Et j'en profite pour faire quelques petits plans rapides. Salut Rogue. Vous l'aurez reconnu, la cabane d'Hagrid. C'est beau. Si vous connaissez les studios, vous connaissez très certainement cette partie. Habituellement, on n'a pas le droit de filmer dans cette zone. Là, ce soir, on y a le droit et on va vous faire une petite démonstration de ce qui se passe derrière. Allez, vas-y. Bravo. Bravo, maman. Elle est forte, maman. On a le droit à la petite visite privée avec toutes les explications, toutes les anecdotes, tous les petits détails. Ça, c'est la Ford Anglia qui aura peut-être un jour chez nous. La maison des Weasley. De la magie. Le bureau de Dolores. L'ombrage, nos toilettes. Vas-y, pousse! Ouais! Bravo! Ça y est, je crois qu'on arrive pour le départ. Hey ! Regarde. Vas-y, tu peux avancer. Oh !
4 Private Drive de nuit. C'est irréel. Je pense que ce sera un petit vlog complètement décousu parce que j'en prends plein les yeux et qu'on est un petit peu sollicité de partout, etc. Donc vous aurez des images très très brutes et peut-être complètement décousues effectivement. Mais franchement, mais c'est le souvenir d'une vie. Regardez le Magicobus, il est juste là. Bah Lucas, t'as acheté une Ford Anglia? Waouh! Ah, nos copines les mandragores. Le basilic. Viens voir nos costumes d'Halloween pour cette année. Trop génial. La banque Gringotts, rien que pour nous. La cape d'invisibilité. C'est le big finish. Hein? Enfin, ou presque big finish. Oh, c'est incroyable. On s'est remis nos émotions. Direction la Diagonale. Chérie, elle pleure. Ah oui, on peut descendre. Est-ce qu'il est beau ce château? Oui. Oui. Waouh. Il y a encore un là. Il y a encore des châteaux là. Ah oui. Il y en a partout. Nous entrons dans la boutique qui est que pour nous. Donc là, attention, ça va faire mal. Oui.
Vous avez déjà vu la boutique aussi vide, madame? Regardez comme c'est incroyable. Et ça y est, je l'ai vu. La robe d'Hermione. On va en profiter. Je n'ai plus de mots pour qualifier cette soirée. C'était... Il va me falloir quelques nuits pour digérer tout ça. J'ai trouvé le petit serpentard pour Lucas qui s'est endormi. Le pauvre petit, il est couché depuis tellement longtemps habituellement. Et je retrouvais Hermione Granger chez nous. Alors qu'on se remette de nos émotions. On vous montrera à notre retour les petites emplettes qu'on a récupérées. Et notre bébé s'est endormi dans la poussette. Je pense qu'il y a eu une énorme journée. C'est clair. Puis on aura plein de photos, plein de choses à vous partager. Allez, on rentre. Allez, on va rentrer. On a une petite heure de route pour récupérer notre hôtel. Oui. On est fatigué, mais on en a pris plein les yeux. Je vous mets plein d'images. Ce sera complètement décousu, c'est ce que j'ai dit, parce qu'effectivement, on a tout vécu là. C'est la folie. J'espère que ça vous a plu et on vous dit bonne nuit. Bisous, bisous. Ça y est, c'est fini. Bonne nuit.